Salut les loustics, c'est Vanaxu, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui pour les 10 000 abonnés de la chaîne. Je savais pas trop quoi faire, pour les 1000 j'avais fait un grand remerciement. Donc je vous remercie encore une fois bien évidemment parce que bah, sans vous je n'aurais jamais atteint ce chiffre symbolique des 10 000. En tout cas je voulais faire une FAQ pour que vous me posiez certaines questions. Donc j'avais fait un post et on m'a posé une dizaine, quinzaine de questions. Donc on commence tout de suite avec un commentaire de Kinouklem qui me demandait quelles sont tes chaînes YouTube préférées sur la musique? Pourquoi tu as décidé de faire ta propre chaîne? Et as-tu un background musical? Donc, trois questions qu'on peut séparer. Mes chaînes YouTube préférées sur la musique, c'est assez large. Ça peut inclure plein de choses différentes. Je sais pas si c'est mes préférées, mais je pense que ce que je regarde le plus, c'est souvent des chaînes anglophones. Nick Nocturnal, notamment, que je suis depuis 6-7 ans, peut-être même plus. Depuis une de ses premières vidéos, donc quelqu'un qui faisait beaucoup de covers de guitare au départ, qui s'est ensuite tourné plutôt sur les créations musicales, il a fait également des reacts, et maintenant il repart un peu dans un délire à la fois humoristique et création musicale. Il est très très fort dans ce qu'il fait, et franchement il est incroyable. Si vous comprenez un peu l'anglais, n'hésitez pas. Ensuite, je recommanderais Charles Cornell, qui est un mec qui fait des reacts, mais plutôt genre dans une analyse en profondeur, avec, il a un background musical de zinzin, il s'y connaît vraiment de fou. Et il fait des analyses musicales dans des genres complètement divers et variés, donc c'est assez agréable. Dans un style également un petit peu différent, qui avait commencé aussi dans le React, c'est Tank the Tech, qui est donc un mec en fait qui parle à l'heure actuelle souvent de l'industrie plutôt, parce que c'est un gars qui a travaillé dans le merch, il a travaillé en tant que roadie et tech dans l'industrie musicale, et il a par exemple récemment été chef tour manager pour Electric Callboy sur la partie nord-américaine. Donc très intéressant d'avoir son retour sur l'industrie, il parle de ça en stream et il fait des petits highlights sur ses vidéos YouTube, donc c'est assez intéressant. Je citerai également, je pense, pour le rap français, je suis pas quelqu'un qui est expert, mais je pense qu'un mec comme Mehdi Maizi, il a l'amour du rap et il sait parler de plein de choses, donc tout ce que fait Mehdi Maizi de manière générale. Et j'aime bien aussi citer 8-Bit Music Theory, c'est un mec qui fait de la musique théorie sur de la musique de jeux vidéo, en général 8-bit et 16-bit, même s'il triche un peu. Mais c'est les 5 chaînes que je pense je regarde le plus liées à la musique. Donc ensuite, pourquoi j'ai décidé de faire ma propre chaîne? Bah en fait, j'ai toujours voulu faire une chaîne de partage de musique de manière générale. À l'époque de MySpace, les anciens s'en souviennent, partager plein de choses avec les potes, on se linkait nos playlists, on disait ouais, tu connais tel gars et tel gars, il est dans tel groupe de tel truc. Et donc en fait, on se retrouvait à une espèce de cercle vicieux à cliquer un peu partout et partager de la musique. Et je me suis dit bah ouais, en fait, j'aime bien le contenu React, tu vois, genre notamment 2016-2017, il y avait des trucs sympas au tout début. Et puis, mais je me voyais pas faire ça au début. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est une façon aussi de partager des choses. Et je pense que grâce à Internet, grâce à YouTube, c'est la forme la plus pure de partage. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment, c'était tes potes et ton entourage proche. Maintenant, c'est le monde entier. Donc c'est assez fou. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça et je voulais partager des choses avec vous. J'espère que vous kiffez. Et j'aime bien parce que j'ai eu certains retours de personnes qui me disaient, c'est cool ce que tu fais parce que ça se voit que tu veux le faire par envie, dans le sens où forcément je vais faire des trucs qui sont un peu plus mainstream, des trucs qui sont un peu plus tendance et des choses comme ça, mais c'est saupoudré de pas mal de trucs un peu plus obscurs, un peu plus anciens. Je me ferme pas au fait d'écouter un morceau qui a 8 ans, même s'il est pas trop connu, même s'il est connu ou pas trop connu, tu vois. Et je pense que c'est un peu ma façon de fonctionner, et je trouve qu'il est jamais trop tard pour découvrir. Ça a toujours été mon fer de lance, on va dire. Quand j'entends des gens dire ah, ils découvrent tel truc seulement à cet âge là, enfin seulement à cette époque, je rappelle toujours à ces gens que, bah, tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais entendu Pink Floyd de leur vie. Le groupe, on va dire, n'existe plus quasiment. Toujours est-il que si quelqu'un découvre Pink Floyd en 2024, ben, bah, bien pour lui, tu vois. Ça le rend heureux, c'est bien, c'est parfait, tu vois. Donc ça c'est mon côté. Je trouve qu'il n'y a pas de limite au partage de la musique, tu vois. Et donc ensuite, est-ce que j'ai un background musical? Oui, on va dire de manière légère, dans le sens où je fais de la guitare depuis, ouais, une quinzaine d'années, mais vraiment en autodidacte, en amateur et sans prise de tête. À un moment, je m'étais un peu buté à faire, tu vois, deux heures de guitare par jour avec des entraînements, travailler les scales, les modes, travailler la dextérité et tout. Et en fait, je prenais plus de plaisir parce que c'était les deux seules heures de temps libre en gros que j'avais dans ma journée. Donc j'ai dit, bah non, on prend le avec plaisir. J'ai un niveau basique, tu vois. Je dirais basique, tu joues en gros, voilà, du key switch engage, du hazard lying, ça je le joue, tu vois, sans trop de problèmes. Et voilà, c'est vraiment pour un kiff. J'ai eu des groupes de musique, un groupe de musique. Bon, entre 2005 et 2009 en gros. Et on faisait du deathcore, un peu sauce, hardcore, chaotique, sans prise de tête.
Mais voilà, ça n'existe plus. Quelques membres du groupe ont toujours des groupes, ont toujours d'autres groupes à l'heure actuelle, donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a Kevin Blumenfeld qui me demandait mon top 3 des sons que j'ai découverts grâce à la chaîne, et, ou des sons que tu as vraiment appréciés. Et je vais séparer en fait ça avec des sons rap, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a posé des questions par rapport à mes sons rap préférés ou mes artistes rap préférés que j'ai découverts grâce à la chaîne. Donc je vais parler de tout sauf de rap pour ça, et après j'expliquerai les trucs au niveau du rap. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de sons que j'ai découverts grâce à vous, et en fait, c'est des artistes que ensuite j'ai réécouté beaucoup, et qui sont même allés, comment dire, remplir mon top 5 chaque année pour certains, notamment Johnny Booth. Le morceau, j'avais découvert Crowd Control, et bah, le groupe, je lâche plus en fait. Je trouve que l'album et que leurs albums sont incroyables. Je pouvais pas ne pas parler de Yame, par exemple. Yame, vous m'avez fait découvrir. Je pense pas que je serais passé à côté, parce que des mecs comme Pandrez et Chronomusique, je les suis sur les réseaux, donc forcément, ils ont commencé à en parler. Mais j'aurais peut-être eu un temps de retard. Et grâce à vous, bah, j'ai découvert Bécan, le Colors, et l'EP est incroyable. Un autre groupe également, bah, en fait, c'est pour moi le groupe qui m'a peut-être fait aimer la K-pop, c'est Dreamcatcher. Avec le morceau Boca, j'ai découvert avec ça. Je connaissais un petit peu la K-pop avant, mais quand je suis tombé sur Dreamcatcher et l'aspect rock et pop dans leur production, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que j'aime pas le dernier EP. Album ou EP, c'est Villains, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas fan du tout, parce qu'il y a pas assez de contenu rock dans l'album, je suis moins fan. Donc à voir la suite, mais globalement je trouve qu'elles ont une belle carrière jusqu'à là, tout du moins. Ça, c'était très cool. Gaël Faye également, avec le morceau Tôt le matin que vous m'aviez conseillé. Je trouve que c'est un bel artiste que je réécoute souvent, mais je me rends compte que je réécoute souvent, c'est quoi, Rythme et Botanique, quelque chose comme ça, qui est un très très bon EP. Mais je réécoute pas d'autres choses, tu vois, je réécoute beaucoup cet album, cet EP. Alors que les groupes donc, que j'ai cités avant, j'écoute en général un peu tout. Donc c'est plutôt cool. Je suis obligé de citer Aviation avec Outliers, qui est une vidéo qui a bientôt 3 ans. Et maintenant, bah, Aviation, Luminaria, leur dernier album, c'est dans mon top 2023. C'est la qualité, c'est incroyable. Et pour terminer, je voulais citer Wintersea. Vous m'aviez recommandé Illuminated, il me semble. Et depuis ce temps-là, pareil, chaque fois qu'il y a une sortie de Wintersea, j'écoute l'album. À chaque fois avec attention, et je trouve qu'à chaque fois ils ont une composition et un album de manière générale très solide. Ensuite, on a Rensu qui me demandait mes artistes rap préférés et un top des sons que j'ai pu découvrir grâce à la chaîne. Artiste rap préféré, en fait c'est compliqué, je mettrais plutôt, oui, préféré dans le sens où pour moi c'est des mecs que j'écoute souvent ou des albums complets, parce que j'accorde l'importance à écouter des albums complets par moment. Et dans ce truc là, je citerai en FR Furax, Barbarossa, Scylla, IAM, Chill Bump, même si ça chante en anglais. Et ensuite, plutôt international, je pense qu'un des rappeurs que j'écoute le plus en album complet, c'est Eminem. Même si j'aime beaucoup Nas également, mais j'écoute moins. Et je me rends compte que j'écoute assez peu de rap américain ou tu vois anglophone de manière assidue, avec écouter des longs albums ou des choses comme ça. Ça m'arrive d'écouter des choses, mais j'écoute un titre ou quoi. J'écoute assez peu des longs albums. Dans les sons que j'ai découverts grâce à la chaîne et grâce à vous, au final, bah forcément, on peut pas passer à côté d'un mec comme Hugo TSR, je connaissais pas. Parce que comme je fais souvent le disclaimer, j'ai eu une période de 10 ans, à peu près, où je me suis désintéressé de toute la musique rap qui sortait. Et j'ai juste réécouté les choses que j'aimais, tu vois. Et donc forcément, j'ai pas écouté de nouvelles choses. Donc Hugo TSR, quand j'ai découvert là-haut grâce à la chaîne, moi ça m'a rappelé bah, le boom bap à l'ancienne, c'est ce que j'aime, tu vois. L'EP Jeudi également, qui raconte une histoire de fou et qui est hyper bien fait, je trouve. Népal, vous pouvez pas par ça à côté, parce que bah, je connaissais pas finalement, enfin je connaissais de nom, c'est comme Nekfeu, tu vois, j'ai vu le nom passer et j'ai juste tiré un trait sur ça à une époque de ma vie quand vous m'aviez recommandé Népal avec Sundance. Moi je savais pas qu'il était décédé, tu vois, et donc j'ai écouté ça, je trouvais ça trop cool. Après bon, j'apprends que c'est un mec qui est décédé et tout, et j'ai pas mal réécouté Adios Bahamas depuis le temps. Je trouve qu'il y a des très très bons trucs, et ouais, il aurait pu avoir une carrière beaucoup plus grosse que celle qu'il a eue. Et j'aime bien aussi citer Deadi, donc D-E-A-D-I, parce que vous m'aviez recommandé le titre Banzai, et je trouve que c'est un mec qui est atypique, il a un flow de zinzin, une voix un peu, tu vois, une voix un peu du nez quand il rappe de temps en temps, et il prend des risques dans certaines prods, donc je le trouve très bon de ce côté-là, donc je le mets dans mes vraiment des belles découvertes rap FR. Et enfin, je pouvais pas passer à côté d'un truc que m'a fait découvrir et qui a amené énormément de gens sur la chaîne, c'est Freeze Corleone. C'est vraiment un monde qui était nouveau pour moi, donc vous m'aviez demandé de réagir à Freeze Rael, et un morceau qui était déjà sorti depuis longtemps quand j'ai fait la vidéo, parce que j'ai dû la faire en 2021, et Freeze Rael c'est la LMF, donc c'est 2020,
pour moi c'était un monde nouveau, tu vois, ce monde un peu drill, la drill FR, même de manière générale la drill, c'est un monde que j'avais pas suivi en fait. J'avais complètement cut ça de ma vie, parce que j'écoutais, j'étais bien, j'étais content dans les trucs que j'écoutais. Et en fait c'est ça que j'aime dans la chaîne aussi, c'est que vous m'avez ouvert à ça quand c'est sorti, bah, que ce soit la prod, que ce soit le flow, j'ai pris une claque, tu vois. C'était vraiment un monde nouveau pour moi. Maintenant, comme je dis, Scorleone, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, et je trouve que par moment c'est un peu répétitif, tu vois, dans les thématiques abordées, dans les phases envoyées et tout. Mais globalement, quand t'écoutes un morceau, et notamment Freezrael, tu vois l'impact du truc, tu vois la puissance et la nouveauté qui arrive. Après, comme tout style musical, ça peut s'épuiser, mais à l'époque, c'était vraiment, j'ai pris une droite, quoi, et j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, il y avait Belle Cloutic qui me demandait quel était mon rapport à la musique électronique et est-ce que j'avais des artistes de référence, et il me souhaitait une bonne journée, donc bonne journée à toi aussi. J'aime beaucoup la musique électronique, c'est un style vaste et varié, je trouve. Il y a beaucoup de choses que j'aime, surtout quand il y a de la complexité dans la composition, dans le layering et dans la production. J'aime beaucoup, tu vois, ce qu'on fait notamment en France, tout ce qui touche autour de la French Touch, des mecs comme Rhône, comme Scar, comme je sais pas, qu'est-ce que j'ai en tête, Atom récemment. Ces mecs-là, je trouve que c'est très 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 fort. Et j'ai toujours aimé de toute façon les touches électroniques dans la musique, que ça soit, tu vois, dans d'autres genres musicaux comme le fond, je sais pas, j'ai en tête des mecs comme Electric Callboy ou les premiers albums de Hunter Shikari, genre Take to the Sky, qui est pour moi un album incroyable. Je suis beaucoup moins fan de tout ce qu'ils ont fait après, mais Take to the Sky de Hunter Shikari, sorti en 2007, qui est pour moi légendaire cet album. Je pense à Stromae, mon album préféré, c'est Cheese, son premier album, et je trouve qu'il a énormément d'influence house et électronique, et c'est mon album préféré, et je pense que c'est pour ça en fait. Peut-être qu'il a des textes moins riches, peut-être que c'était moins bien produit, mais personnellement c'est mon album préféré à cause de grâce à ses influences électroniques. Et des artistes de référence, ouais, quand je pense électronique, je pense à plusieurs choses. Je pense à Boards of Canada pour l'ambiance, parce que c'est vraiment un monde à part, et je vais vraiment citer des artistes complètement différents. Boards of Canada, on est dans l'ambiance pure. Je pense à The Prodigy, parce que pour moi c'est un groupe de légende qui a su manier à merveille, marier à merveille le punk, l'électro, la rave music, tu vois. Un groupe légendaire. Je pense également, tu vois, en France à The Algorithm, qui est un projet d'un seul mec, hein, Rémi Gallego, qui mélange à la fois des choses très ancrées dans la musique métal et d'électronique et des choses plus organiques. J'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale, et je trouve que ses albums se bonifient avec le temps. Et après, le classique, Daft Punk. Pourquoi Daft Punk ? Parce que les deux premiers albums des Daft Punk, pour moi, on va pas parler du troisième, parce que j'aime pas le troisième album de Daft Punk, Random Access Memories, je l'aime pas du tout. Je m'y retrouve pas. Par contre, les deux premiers, c'est pour moi des grosses claques et des classiques de la musique électronique dans le monde. Et enfin, je voulais terminer par un truc un peu plus chelou, que j'écoute pas tout le temps, mais de temps en temps, je me rentre dedans, et là, tu te dis, le mec est fou, c'est Aphex Twin, le mec est littéralement fou. Et c'est incroyable ce qu'il est capable de faire sur des EP complètement expérimentaux, des choses complètement farfelues. Donc ouais, j'ai vraiment cité pour moi, tu vois, 5 artistes là, on va dire, complètement différents, quelque chose de très mainstream avec Daft Punk, des trucs beaucoup plus underground avec Aphex Twin. Et je pense que ça représente un peu ce que j'aime dans la musique électronique. Ensuite, il y a David Nurse, guitariste de Until They Fall, qui me demande quelle est ta meilleure découverte musicale de 2023. Yamé, sans hésiter. Ensuite, il y a Jacob Lefebvre Caron qui me demandait deux questions difficiles à répondre. C'est mon artiste préféré de tous les temps, tout genre confondu, et plus précisément dans le métal et dans le rap, dans le hip-hop. C'est toujours un truc auquel j'ai du mal à répondre, parce que je suis pas quelqu'un qui a une position d'idolation ni de fanatisme. Je n'idolâtre personne, brûlez vos idoles, et je n'ai aucun fanatisme envers le moindre groupe. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai longtemps aimé fortement toute la discographie d'In Flames jusqu'à l'arrivée d'un certain album qui s'appelle Siren Charms et Battles, qui pour moi sont des gros déchets dans leur discographie. Et donc j'ai la critique facile même envers les groupes que j'adore en fait. Donc je t'aurais dit, ouais, il y a 15 ans c'était In Flames. Et au final, je pense que si je dois penser à un groupe dans le métal qui n'ont sorti aucun mauvais album, voire que des excellents albums, ça serait Cult of Luna. C'est compliqué parce que c'est métal, mais tu vois, au sens large, dans le sens où c'est du post-core, donc il y a des choses un peu différentes. Mais je pense que Cult of Luna, c'est vraiment le groupe qui répond à aucun mauvais album, pas de faux pas dans leur carrière. À chaque fois qu'il y a une sortie d'album, c'est attendu et c'est très bon. Ils sont bons en live. Moi, il n'y a rien de plus que ça. Donc ouais, pour moi, artiste préféré dans le métal, ça serait Cult of Luna.
Ensuite, si on parle métal au sens plus traditionnel du genre heavy metal et métal plus classique, je pense Judas Priest. La raison, c'est que mon père écoutait beaucoup de Judas Priest et en fait, j'ai forcément écouté des albums avec lui. Et j'ai beaucoup écouté Judas Priest et je trouve qu'il n'y a pas de choses à acheter non plus dans leur carrière. Donc c'est peut-être, je le placerais peut-être là finalement, dans un, si je devais dire, en métal plus classique, plus traditionnel. Et enfin, dans le rap, dans le hip-hop, c'est une question qui est difficile pour moi. Parce que j'ai pas, comme je dis, j'aime le hip-hop, j'aime le rap, mais j'ai pas une connaissance d'expert dans le genre. Mais en vrai, je vais faire une réponse bateau et je pense que c'est une réponse de beaucoup de gens. Et c'est parce qu'en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui a parcouru les âges, c'est Eminem. Je me rappelle la sortie de The Real Slim Shady, la sortie de Marshall Mathers. J'attendais la sortie de son album de Eminem Show, puis après encore et tout. Il n'y a pas que des albums parfaits, mais le fait que j'ai parcouru un peu, tu vois, mon adolescence avec lui, enfin avec ses albums et avec les potes, on écoutait ça et tout. Je pense que ça le place là. Mais c'est plus... Je sais qu'il y a des rapports plus techniques, il y a des rapports meilleurs, il y a des rapports qui ont peut-être plus d'impact sur la musique. Mais d'un point de vue émotionnel et histoire de vie avec la mienne, c'est le rappeur auquel je pense quand je pense à rappeur préféré de tous les temps pour moi. Ensuite, il y a Cléa Blonde qui me demande d'où me vient cette passion pour la musique. Clairement, mes parents. Parce qu'ils ne sont pas musiciens du tout, hein, mais il y a toujours eu de la musique à la maison. Ma mère était très David Bowie, Alice Cooper, choses comme ça. Mon père plutôt Judas Priest, metal un peu plus, tu vois, heavy metal, choses comme ça. En passant par des, je sais pas, des Dire Straits, des Pink Floyd, des Yes, des groupes de prog également, tu vois. J'ai été baigné dedans tout petit. Et ce que j'aime, c'est que par exemple, mon père, il évolue aussi avec ce qu'il écoute, tu vois. Il aime beaucoup des trucs plus récents, il aime beaucoup Gojira. Il est même venu voir en concert Gojira avec moi. On va aller voir Polyphia ensemble. Donc ça va être plutôt cool. Et il a ce truc d'évoluer, ce que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il ne reste pas ancré dans ce qu'il écoutait dans les années 70-80. Il évolue également avec son temps, même si forcément on y revient tout le temps, tu vois. Ce que t'as écouté quand t'étais jeune, ce qui t'a marqué, ce qui t'a forgé. Mais il peut à la fois écouter Yes comme écouter des Haken, des Animal as Leaders. Donc c'est assez agréable. Et du coup, ouais, mes parents, clairement. Parce qu'il y a toujours eu de la musique. Et en fait, ils m'ont toujours fait écouter plein de trucs. Et pour autant, quand j'étais jeune, j'écoutais pas du tout. Enfin, mes parents mettaient leur musique, mais moi j'écoutais des trucs qui avaient rien à voir. Je collectionnais les 6 titres de chez Quick, là, vous connaissez les 6 titres de techno de merde de chez Quick, où il y avait du Scooter, il y avait du Technotronic, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Et c'était, j'étais vraiment. J'aimais beaucoup la dance et l'électro des années 90, l'Eurodance. Genre que mes parents n'aimaient pas du tout. Enfin, mon père, ça le faisait marrer. Contact FM à l'époque, ça le faisait marrer. Mais moi, j'écoutais vraiment, j'aimais bien ça, tu vois. Et en fait, après, je me suis ouvert à plein de trucs différents. Et je sais pas, j'ai tout absorbé d'un coup. Et il y avait le rap qui venait, il y avait l'électro, il y avait le métal qui commençait un peu plus, tu vois, les Sepultura, choses comme ça. Et tout est venu. Même ma mère, de temps en temps, écoute, tu vois, de la musique classique. Pas trop souvent, mais de temps en temps. Et ça, j'aime bien aussi. Mais ouais, le fait de tout absorber un peu dans tous les univers différents, je pense que c'est ça qui m'a donné ce truc de, il n'y a pas de mauvais genre, il y a des artistes que t'aimes, des artistes que t'aimes pas, et il y a du bon partout, tu vois. Et que ça, c'est pour ça que ma chaîne me ressemble, je pense, en termes de musique. Et c'est ça, c'est plutôt cool, je pense, c'est un truc que je voulais transmettre, et je pense que j'y arrive assez bien. Et donc, suite à cette question, il y a Raph qui me demandait quel artiste ou groupe t'a fait tomber amoureux de la musique. Donc, c'est un peu en lien avec... ce que je disais juste avant, mais je pense pas que ce soit un artiste en particulier, mais plutôt, comme je le disais, la quantité et la diversité de musique que mes parents écoutaient, parce que mes parents pouvaient piocher entre Judas Priest, Nina Simone, Pink Floyd, Kraftwerk, tu vois, Klaus Schulze, des mecs un peu électro à l'ancienne. Le seul truc que mes parents n'écoutaient pas, et ils sont jamais vraiment rentrés dans ça, c'est le rap. Mais le rap, c'est quelque chose qui m'est venu, moi, avec... en grandissant, avec les potes, avec ce qui se passait à la télé, parce qu'on a quand même été matraqué par le hip-hop et le rap à la télé. C'est quelque chose qui m'est venu plus tard. Même si, tu vois, des trucs comme Rage Against the Machine, c'est un truc que mon père écoutait, et finalement, ça a un pied dans le rap quand même, tu vois. Ensuite, il y a Maxime Gérard qui me demandait le groupe qui m'a fait découvrir le métal. En fait, j'ai deux réponses par rapport à ça, et vous allez comprendre pourquoi. La première, ça serait dire Van Halen, groupe de hard rock, donc précurseur au métal, qu'on connaît actuellement. Et la raison, c'est que mon père était ultra fan des premiers albums et les passait souvent. Et voilà, donc après, c'est du hard rock, pas vraiment du métal.
Et je dirais qu'il y a eu ensuite Judas Priest, et notamment la sortie de Painkiller, parce que Painkiller, donc, qui est sorti en 90, si je dis pas de conneries, donc j'avais un an. Donc mon père l'a acheté, l'a écouté beaucoup. Et donc je pense que les deux groupes, si je dois citer vraiment, on va dire, avant de m'en rendre compte, ça serait Van Halen et Judas Priest. Et ensuite, il y a eu une période, la seconde réponse, et qui je pense m'a encore le plus marqué, c'est mon oncle qui a donc 10 ans de plus que moi. En fait, il m'a prêté plusieurs albums en même temps, à une époque, début 2000. Et dans le tas, il y avait System of a Down, Toxicity, Slipknot, Iowa, et Opeth, Blackwater Park. Et je me souviens particulièrement de ces trois-là, parce que je les ai saignés comme Jaja. Vraiment trois albums incroyables. Dans le tas, il y avait également le premier album de System, le premier album de Slipknot. Il y avait des trucs un peu obscurs et tout ça. Et puis il m'avait gardé les trucs vraiment, tu vois, genre les trucs bien sales pour plus tard. Mais ouais, ces trois albums m'ont tellement marqué que je dirais que, je sais pas si ça m'a fait découvrir, mais c'est là où je me suis dit, ah ouais, ça j'aime beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à écouter. L'avènement du new metal, il y avait Korn Issues aussi, ou juste avant Issues, non c'était Issues. Et c'est là que je me suis ouvert une culture au metal actuelle, enfin de l'époque actuelle, qui était inconnue de mon père, parce que mon père écoutait beaucoup des trucs des années 70-80. Il connaissait moins ça, et ça m'a permis en fait de dire, ok, donc c'est pas que ça, tu vois, le hard rock, le metal, c'est ça également, et cette nouvelle vague, et là je suis rentré dedans. Tout droit, on met des jeans, des baggies, les cheveux longs et gras, tu connais, et on écoute ça H24, ça c'était la cam, et en fait grâce à ça, je me suis ouvert à des trucs, et pendant peut-être les 5-6 années suivantes, je n'ai écouté uniquement que du metal, et je me suis ouvert à tout ce qui sortait, tous les groupes qui sortaient. Je pense que je me suis forgé le plus gros de ma culture métal à ce moment-là. Parce que je suis allé chercher des trucs en arrière aussi. Sepultura, Slayer, que mon père écoutait pas. Et en même temps, en gardant un œil sur ce qui se faisait de moderne à l'époque. Et ouais, je me suis forgé une culture ultra large. Et donc ouais, donc merci à mon oncle, merci à mes parents. C'était grâce à eux que j'ai cette culture à l'heure actuelle. Et qui m'ont donné l'envie d'aller écouter plein de musiques différentes. Ensuite, dernière question qu'on m'avait envoyée sur Instagram. Killswitch Engage ou Parkway Drive? Pour moi, la réponse est assez simple, c'est que sans Killswitch Engage, pas de Parkway Drive, parce que les deux premiers albums de Parkway Drive, qui sont les deux meilleurs, et je ne parlerai pas, je suis pas du tout fan de Parkway Drive post 2010, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait après Deep Blue m'intéresse pas. Par contre, Killing With The Smile et Horizons, les deux premiers albums, sont incroyables et sont produits par un certain Adam Dutchevich, qui est guitariste de Killswitch Engage. Donc sans Killswitch Engage, pas de Parkway Drive, donc Killswitch Engage. Et pour plus en détail, Killswitch Engage, qui est pour moi l'un des plus grands groupes de metalcore, qui est le plus gros groupe de metalcore, je veux rien savoir, on parle du metalcore à l'ancienne, le 5-7-8 comme Nick Nocturnal aime le dire, c'est les riffs 5-7-8 là, bon gros mélodique metalcore, et Alive or Just Breathing, le premier album de Killswitch Engage, qui est dans mon top 10 de tous les temps, c'est-à-dire que si je dois partir sur une île déserte, je prends cet album avec moi, c'est vraiment l'album dont je me lasserai jamais je pense. Et c'est un groupe qui n'a plus rien à prouver, c'est-à-dire que leurs derniers albums sont bons sans être excellents. Alive or Just Breathing et The End of Heartache, les deux premiers albums. Ces deux albums-là, c'est vraiment des claques, et c'était précurseur, on va dire, à l'époque. Mais clairement, Killswitch Engage, 100%. Et voilà, c'était la FAQ, j'espère que ça vous a plu. Une petite dizaine de questions auxquelles on a répondu, c'est assez long. Ça nous permet de discuter un peu autour de la musique. Puis vous, n'hésitez pas à répondre à vos propres questions, au final ça peut être sympa. Et puis peut-être que je referai une vidéo de ce genre, mais pas tant FAQ, mais plutôt sur l'avenir de la chaîne, les projets que j'ai autour, comment je vais fonctionner. Pour le moment, on reste avec ce rythme de publication des vidéos. Je peux pas reprendre les lives pour le moment, c'est un peu compliqué. On verra si j'aborde d'autres concepts, si je fais d'autres choses. Comme je dis souvent, je gagne pas ma vie avec la chaîne, donc c'est compliqué d'être full time là-dessus. J'ai des choses à faire à côté. En tout cas, mais merci à tous d'avoir suivi cette FAQ, et merci pour toutes les questions, merci pour tous vos retours, et puis merci pour les 10 000 abonnés. C'est un grand plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, Loustic. Ciao, des bisous.